Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les influences quotidiennes. Aujourd'hui, nous sommes samedi 20 avril 2019. Samedi vient du mot sambatidies. Je pense que je dis bien. Qui est un dérivé de Shabbat. Shabbat qui veut dire cessation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arrêter tout ce qu'on fait, on va se mettre en méditation ou alors on va faire vraiment un travail sur soi pour se remettre en question. C'est le moment vraiment pour ceux qui prient, pour les personnes qui sont dans la pratique, de pratiquer tout ce qui est notre spiritualité. Alors samedi aussi, c'est un moment où c'est que nous allons pouvoir faire des rituels de guérison, de désenvoûtement, voilà, pour la partie de samedi. Samedi, c'est le septième jour. Le septième jour, c'est un moment d'évolution. C'est un moment où c'est qu'on va être aussi dans l'analyse. C'est le chiffre des sciences, de l'analyse, de tout ce qui est la recherche de vie antérieure. Voilà, vraiment toute cette rétrospective aussi là, hein, c'est en corrélation forcément. Le vin symbolise le changement, symbolise aussi la transformation, l'amélioration. Voilà, ça emmène toujours de bonnes choses. C'est un nombre qui est heureux. Ça peut aussi concerner une transformation mentale. Voilà, on est vraiment dans un éveil spirituel. Donc, on est toujours aujourd'hui dans cette recherche, dans cette rétrospective personnelle pour pouvoir se transformer, évoluer, avancer dans ce que nous sommes en train de mettre en place. On est toujours au mois d'avril, donc c'est toujours le mois de la construction, hein. Voilà, donc tout ça se met en place. Et puis, l'année 2019 qui est une année de croissance. Voilà ce que nous disent les influences d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous.